Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année A, la parole de Dieu nous convie de contempler l'universalité du salut. Dans la première lecture d'aujourd'hui, le prophète Isaïe nous relate comment le peuple qui était en exil est revenu à Jérusalem, en Israël, et ce peuple doit vivre ensemble avec les autres. Ce peuple doit aller au temple avec les autres, mais il y a une espèce de méfiance. Et parce qu'ils n'ont plus évolué en Israël, ils ont adopté parfois certaines manières étrangères de faire les choses. Il y a parfois une espèce de discrimination, une espèce de sélection inutile. Mais le prophète insiste pour dire « Observez les droits, pratiquez la justice, c'est le plus important d'être aimé aux yeux de Dieu. C'est le plus important d'être exaucé par le Seigneur. Le Seigneur nous aime, nous tous. Il est pour l'universalité, il est pour l'univers, il est pour le monde. Il ne sépare pas. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes parfois hésitants et même parfois tentés de jouer à ces jeux, de ne pas accepter la différence, de ne pas accepter quelqu'un qui a une autre opinion, de ne pas accepter l'autre qui réfléchit autrement que moi. Et j'ai du mal à l'accepter. Le prophète Isaïe nous rappelle que nous sommes tous fils et filles de Dieu. Ce qui importe aux yeux de Dieu, c'est de pratiquer la justice. Ce qui importe, c'est de vivre selon le droit. Ce qui importe, c'est de vivre selon la parole de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Nos petites différences ne comptent pas aux yeux de Dieu. Il nous aime, nous tous. Chacun, effectivement, selon ses limites, chacun selon ses qualités, chacun selon ses prérogatives, chacun selon sa race, sa nation, sa tribu, son ethnie, sa langue, son intelligence, ainsi de suite. La part de l'évangile d'aujourd'hui confirme justement cette dynamique, cette façon de voir les choses. La femme syrophénicienne, la femme cananéenne, elle s'approche de Jésus pour lui demander une faveur. « Seigneur, Jésus, fille de David, aie pitié de moi parce que ma fille est tourmenté par le démon, il faut la guérir. » Mais Jésus essaye de poser des questions ou même essaye d'être un peu indifférent pour voir comment cette dame va tenir, comment elle persiste, comment elle va persévérer, comment elle va manifester sa grande foi. Devant toutes ces réalités, la dame dit « Même les champs mangent les miettes qui tombent. » Et Jésus de dire à la dame, ta foi est grande, ta fille retrouve la vie, sa fille est guérie parce que ta foi est grande, va en paix. C'est une étrangère qui retrouve cette grâce spéciale. Et nous nous rappelons encore quand Jésus va justement faire l'éloge du centurion romain, qui va faire cet éloge. Le centurion qui dit, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais dis seulement une parole, mon enfant, mon serviteur sera guéri. Cette fois, Jésus loue cela, l'étrangère. Nous rappelons encore Jésus qui va donner une parabole qu'en Israël, il y avait beaucoup de lépreux. Et celui, parmi les 10 qui ont été guéris, celui qui retourne pour dire merci, c'était un païen, c'était un étranger. L'universalité du salut nous accompagne. Et cela voudrait justement nous aider à aimer l'autre, à aimer l'autre selon le cœur de Jésus, à ne pas tomber dans les séparatismes inutiles, à ne pas tomber dans des slogans de garde chez nous, mais plutôt à voir l'autre comme l'image de Dieu qui a besoin du salut, qui a besoin de votre affection, qui a besoin de votre accompagnement, qui a besoin de votre amour, qui a besoin de votre attention. Et pour y parvenir, être capable de cet amour, il faut grandir dans la foi. Il faut grandir dans la foi, accepter Jésus qui nous accompagne, l'accepter
au fin fond de nous-mêmes, lui donner une place au fond de notre cœur, afin d'avoir la capacité de grandir dans notre foi. La foi, quand elle est grande, elle nous aide à célébrer la réconciliation. La foi, quand elle est grande, elle nous aide à accepter l'étranger comme une chance et non pas comme une menace. Quand la foi est grande, on sait s'élever, peu importe les difficultés, pour pouvoir comprendre l'autre, pour pouvoir s'excuser, pour pouvoir offrir le pardon et le recevoir. L'universalité du salut nous aide à comprendre que la profondeur, la grandeur, la sagesse de Dieu est si grande que nous ne pouvons rien. Nous sommes des créatures. Abandonnons-nous entre les mains du Seigneur. Il est le Dieu d'amour, le Dieu de justice, le Dieu de paix. Il ne fait pas de sélection. Il ne fait pas de discrimination. Il nous aime tous. Que le salut est pour nous tous. Parce que Jésus a donné de son sang pour la multitude. C'est-à-dire pour l'humanité, il est venu sauver les genres humains. Il n'est pas venu sauver un groupe. Il n'est pas venu sauver une tribu seulement, un pays seulement, mais il est venu sauver l'humanité tout entière. Entrons dans cette logique du salut de l'humanité tout entière afin que nous puissions aimer les autres. Que Jésus nous aide à augmenter notre foi afin que nous puissions réellement vivre dans la réalité de l'universalité du salut. Bien-aimés dans le Christ, pour compléter notre méditation de ces dimanches, surtout pour ceux qui célèbrent la fête de l'Assomption de Marie en ces dimanches, l'Assomption de Marie est considérée comme jour d'allégresse, jour d'Alléluia, jour des Magnificat. Marie reçoit la gloire et la béatitude éternelle grâce au Christ. Et dans la première lecture de la célébration de l'Assomption, l'Apocalypse de Saint Jean nous parle de la victoire de celui qui marche sur le dragon. La puissance, la victoire, la gloire d'écraser les dragons et d'écraser la mort. C'est la grande visite des dieux parmi nous. Et Marie a été la bénéficiaire, la première bénéficiaire, parce qu'elle reçoit Gabriel, l'ange Gabriel, pour lui donner le grand message des dieux qui va habiter parmi nous. L'évangile, lui, de l'Assomption, bien sûr, nous présente le bonheur que nous devons vivre ici-bas, le bonheur de ces deux grandes dames, de ces deux grandes croyantes, Marie et Élisabeth. Ainsi, Marie va chanter, « Il disperse les superbes, il élève les humbles. » Dieu disperse les superbes, Dieu disperse les puissants, Dieu écrase les orgueilleux, il élève les humbles. Les humbles, ce sont eux qui croient à l'accomplissement des paroles de Dieu et se mettent justement en route pour aller visiter. La célébration de l'Assomption nous donne cette gloire, nous donne cette opportunité de voir comment Marie, elle est la comblée des grâces, comment elle a bénéficié de cette faveur de Dieu et Dieu l'élève. Elle est la reine des anges, elle est la reine des apôtres, c'est la reine de tous les chrétiens. Marie, dans cette dynamique de la gloire qu'elle reçoit, elle reste la servante. Elle se met en route pour aller visiter Élisabeth. Et Élisabeth va justement confirmer que de toutes les générations, nous appellerons Marie la Bée de Rose. Qu'elle est comblée de ces grands bonheurs que nous devons vivre ici-bas d'abord, afin de le goûter éternellement. Marie, elle goûte éternellement. Elle est élevée, elle jouit de cette grande faveur au ciel. Elle jouit justement de la faveur parce qu'elle a porté Dieu en elle-même. Elle a éduqué Dieu dans sa famille, le Dieu parmi nous, Jésus le Christ. Et c'est la faveur du Christ qui l'élève. Voilà l'Assomption. Bénifions-nous aussi de cette grâce pour que nous puissions être élevés. Parce que la félicité éternelle nous attend. Mais nous devons commencer ce bonheur ici-bas à travers le service, à travers la visite qui doit être une joie que nous communiquons aux autres. Marie, prie pour nous, car toutes les générations t'appelleront et continueront à t'appeler la Bienheureuse. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche, bonne fête à tous et à toutes.